Te voilà, Clive. J'ai reçu un message relatant tes aventures ce matin. Victor te remercie. Maintenant, tout le monde me voit comme un renégat. Et en plus, nous avons attiré l'attention de Hugo Kupka, ce qui peut être dangereux. Et les pourvoyeurs n'ont pas voulu qu'on les aide. Du nouveau pendant notre absence ? J'ai envoyé Gab en mission pour surveiller les Dalmec, car je soupçonne un coup fourré. Il devrait plus tarder à rentrer. Entendu. Je vais faire le point avec Viviane alors. J'ai encore du mal à la cerner. Drôle d'idée de vouloir étudier dans un endroit pareil, même si elle dit que c'est la seule chose qu'elle aime. Sa façon de penser est unique. On a besoin de gens comme elle. Est-ce que je dérange ? Oh, tu es rentré ? Je me demandais si tu aurais la chance de t'en sortir vivant. Décidément, la mort ne veut pas de toi. Je te retourne le compliment, ma chère Viviane. Oh, j'ai juste été la cible de quelques tentatives d'assassinat, la routine. Vraiment pas de quoi en faire une histoire. Alors, que me vaut l'honneur de ta présence ? Tu viens pour une leçon de Viviane Neufcomte ? Tu as beaucoup à m'apprendre. Voyons voir. Commençons par les conflits entre les divers États. Le monde est aujourd'hui rongé par le fléau noir et en proie aux ravages de Sid le Renégat. Mais en réalité, ce ne sont pas les seules plaies auxquelles Valistea doit faire face. Car tout cela renvoie à l'influence de Sambrek. Situé au nord-est du continent du Verponant, le Saint-Empire de Sambrek voit depuis plusieurs années son territoire rongé par le fléau noir. Pour conquérir de nouvelles terres, l'ambitieuse nation multiplie les escarmouches avec Valeud, son ennemi de l'autre côté de la mer. Mais cette grande puissance compte dans son giron le primordial Odin. Il n'est pas chose aisée que d'arracher une parcelle de territoire à un adversaire aussi pugnace. Aussi, Sylvestre, le Saint-Empereur de Sambrek, a-t-il tourné son regard vers le Dominion du Cristal, une cible non moins riche en ressources. Il y a 5 ans, alors même que votre groupe s'apprêtait à détruire Chef Drac, Sambrek a lancé une offensive sur le Dominion et l'a immédiatement soumis. Ce n'est pas par hasard si ce petit pays insulaire est surnommé « Centre du Monde ». C'est en effet un point stratégique de la plus haute importance. Le contrôle de cet archipel assure un accès privilégié à l'ensemble de Valistea. C'est précisément la raison pour laquelle la cité-État était protégée par un pacte de non-agression signé par ses différents voisins. Mais Sambrek viola ce traité, rompant ainsi le fragile équilibre entre les quatre. L'Empire de Sambrek, la République de Dalmeki, le Royaume de Valeud et Elanen Yarenne, le Royaume de Fer. Chacune des 4 nations se bat pour assurer sa subsistance dans une époque trouble. Les choses sont plus claires. Tout ça ne présage rien de bon. Oui. Plusieurs régions du monde sont dans une position délicate. J'ignore de quoi l'avenir est fait, mais qui sait ? Peut-être que le vent de la tempête apportera de bonnes choses au repère. Bien.
Pour ce qui est du paiement pour la leçon d'aujourd'hui, je te demanderai d'effectuer une petite commission pour moi à titre de compensation. Vraiment ? Bon. Rapporte cet ouvrage au prof à la bibliothèque. Tu lui diras que j'ai trouvé ça correct. Bon, j'imagine que je pourrais aller faire un tour à la bibliothèque. Alors, tu as besoin d'une autre de mes leçons ? En somme, tu sais, si on m'avait dit quelle histoire touchante. Le dominion du cristal. Mais hélas, souviens-toi, je t'ai demandé d'aller voir le prof à la bibliothèque pour lui rendre son livre. Il faudra que j'aille le remercier. Salut, Sid. Tu restes avec nous quelques temps. C'est un bonheur de rentrer à la maison et de retrouver les nôtres, Clive. Nous avons un merveilleux foyer. Elle est encore plus chère que celle de notre capitaine. Bienvenue. Regardez. Je dois vous remercier. Bon. Je compte sur vous. Ça fait déjà 5 ans. Il avait tout détruit. Clive, s'il vous plaît. Voilà ce que j'ai à vous proposer.
Vous avez autre chose à vendre ? Ah, affaire conclue. Revenez me voir. Ou non, c'est comme vous voulez, après. C'est pourquoi cette fois ? Je suis pas plus mal dans ce nouveau repère. Le soufflet qu'a inventé Sid nous sauve la vie. Tu tombes sur de bons matériaux, tu me les rapportes. Le temps passe vite. On était tous déterminés. Il faut tout faire pour préserver ce repère. C'est pourquoi ? Voilà, j'ai terminé le travail. La tourte au chocobo a beaucoup de succès, paraît-il. C'est la spécialité.
Molly. Il va falloir en faire plus. Professeur Harpocrate. Tiens, voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis fort longtemps. Si bien que j'en viendrais presque à oublier qu'il s'agit du mien. Content que tu sois de retour. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis venu te rapporter ce livre. C'est de la part de Viviane. Non. Décidément, notre jeune chercheuse dévore les ouvrages à une vitesse exceptionnelle. Si j'étais aussi rapide qu'elle, je pourrais peut-être accomplir plus vite la mission que tu m'as confiée. Malheureusement, je n'ai plus ces capacités. D'ailleurs, j'ai parcouru les livres que nous avons reçus récemment, mais sans y découvrir de nouveaux indices. Hélas, il me sera peut-être difficile de découvrir la véritable nature de cette énigmatique entité que tu as rencontrée, un chef Drac. Je vois. Malgré tous ces livres, même pour un érudit comme toi, la réponse reste difficile à trouver. Si après tout ce temps nous ne trouvons rien, cela doit sortir de l'ordinaire. Actuellement, j'étudie des vieux ouvrages nordiques. Je te dirai si je trouve une nouvelle piste. Très bien, je te remercie. Tu sais, Clive, cet endroit est un paradis pour moi. Je me plonge dans les livres chaque jour en me délectant de fruits et de graines. Le prof, il fait rien que de manger toutes les noix du potager d'abord. C'est vrai, moi aussi je l'ai vu. Même qu'il a toujours mal au ventre après. Allons, c'est très mal de dénoncer et soyez un peu plus respectueux. Je vois qu'ils vont bien. Oui. Ça leur a été bénéfique de venir à la bibliothèque. La mort de leurs parents les a durement marqués. Ils sont parfois tristes. Nous avons tant perdu en ce jour funeste. Des amis, notre ancien repère. Pour ceux qui restent, ces blessures sont encore vives. Il faut plus que du temps pour guérir la douleur. Pardon, Clive. Je parle, mais tu dois être fatigué après ta mission. Je ne te retiens pas. Merci. Gab ne va pas tarder. Je ferai bien de me reposer pour le moment. Tu as soif d'apprendre, Clive? J'ai compilé de nouvelles entrées. J'espère qu'elles t'intéresseront. Tu veux consulter mon encyclopédie?
reviens quand tu voudras, Clive. Bonjour, Clive. À peine rentré, tu es déjà en train de rendre service à tout le monde. Te voilà redevenu un simple mercenaire grincheux avec ce visage. Maintenant que je n'ai plus de tatouage, je suis un homme normal aux yeux du monde. Grâce à ton opération, tout est plus simple. Ça élargit le champ des possibles. Quelle douce musique à mes oreilles. Ah, à propos, Otto dit que tu as reçu une lettre de Gab. Elle est dans ton bureau. Une lettre de Gab ? D'accord. Je vais voir ça. Ménage-toi quand même, hein? Gab qui m'écrit une lettre. Je me demande pourquoi. Caron a reçu un nouvel arrivage. Qu'est-ce que Gab nous raconte ? L'armée d'Almec marche vers le front, ce qui laisse Randella sous la surveillance de Kupka. Par conséquent, ses hommes et lui doivent être très occupés. Ils ne devraient pas nous embêter. Tant mieux, alors. Tu te rends compte ? C'est l'occasion rêvée. C'est tout ce qu'on attendait. Regarde le chemin parcouru. Tout ce que nous avons accompli, nos camarades, ce repère, c'est déjà beaucoup, tu sais. 5 ans. 5 ans que nous attendons. Si seulement je pouvais contrôler les pouvoirs d'Ifrit, nous serions bien plus près du but. Mais à chaque fois que j'essaie, il y a comme quelque chose qui m'en empêche. N'oublie pas qu'il est extrêmement éprouvant d'incarner un primordial. C'est ton corps qui essaie de te protéger. Parce qu'il sait que la transformation n'est pas bonne pour toi. Oui, mais ça veut dire que tu souffres à ma place.
Nos pérégrinations m'ont fait remettre en question tout ce que je croyais savoir, mais elles m'ont aussi donné une nouvelle certitude. Les cristaux nous nuisent plus qu'ils nous aident. En échange de quelques moments de confort, nous menons une vie de servitude et de peine, guerre après guerre, deuil après deuil. Et puis, voilà qu'ils détruisent même nos patries. Ils ne nous laissent que des cendres et des regrets. Mais tu veux changer les choses. Nous voulons changer les choses. Et pour ça, je veux bien souffrir. Je sais, mais... Souviens-toi, Clive. Nous sommes en vie parce que Joshua nous a donné une seconde chance. Nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher ce qu'il nous a offert. C'est vrai. Il était là. Ce n'était pas une illusion. Je l'ai entendu s'adresser à Ultima. Si Joshua est encore en vie, il doit rechercher cette créature. Crois-tu que nous le reverrons ? J'en suis sûr. Et il faudra que nous soyons prêts. Un monde sans Christomère. Acide. Il ne reste rien du Nord. Je savais que le fléau s'étendait, Votre Altesse. Mais ça... Ça, c'est pire. Bien pire que tout ce que j'imaginais. Le Verponant deviendra bientôt inhabitable. Notre monde est en train de mourir sous nos yeux et nous pourchassons une ombre. Dis-moi, Clive, faisons-nous fausse route ? Ah, Clive, un moment, s'il te... pardonnez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Ce n'est rien. Nous étions en train de parler stratégie. Que se passe-t-il, Otto ? C'est Martha, de l'auberge. Elle a disparu. Enfin, bon. Venez me trouver quand vous serez prêts. Entendu. Je m'inquiète pour Martha. Allons voir Otto.